Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue à la zone jeu de société. Aujourd'hui, l'épisode 1 qui fait suite à l'épisode 0 de la mise en place et des règles. Maintenant, je vais jouer ma partie de Era Medieval Age de Eggertspiel ou Plan B. Alors, jeu de Matt Leacock, dans sa version en solitaire, avec l'extension Rivers and Road et le Collector Set 1. Donc, allons-y pour cette magnifique partie. Alors, petite répétition des règles en tant que telles, particulièrement si vous n'avez pas vu l'épisode 0. Alors, on a des ressources essentiellement. Le but du jeu, c'est d'aller faire le maximum de points. Les points qui sont bien indiqués sur chacun des cartes des bâtiments. Les bâtiments qui se retrouvent sur le bord de la rivière valent deux fois les points et bien sûr vont valoir aussi deux fois les points si ils sont à côté d'une route. Donc s'il y a un combiné rivière-route, ben essentiellement ça vaut x3 les points. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, un round se divise en 6 phases, donc on doit lancer les dés, récolter les ressources, nourrir sa population, faire les désastres s'il y en a, construire et ensuite se battre contre Sir Philippe. Sir Philippe qui ne sert finalement qu'à agrémenter, là, rajouter un petit challenge de plus, un petit défi de plus là, à cette partie. Donc, on va commencer avec le premier round. Alors, je lance mes dés. Je peux les lancer jusqu'à 3 fois, je répète. Et les désastres, je ne peux pas les relancer. C'est super important. Donc là, faut que je pense un peu qu'est-ce que je vais faire. Alors là, mon objectif, c'est d'avoir une ville complètement entourée, car les bâtiments qui vont se retrouver à l'intérieur vont valoir plus de points. Moi, j'avais l'intention de construire une autre forteresse juste ici, au coin, de construire une gate, un portail tout juste là au-dessus de ma rivière également. Donc ça va me prendre des roches, si je m'en rappelle bien. Effectivement. Et le portail, ça me prend aussi du bois. OK, le portail, il se retrouve là parce que c'est pas considéré comme un bâtiment. OK, parfait. Alors, est-ce que je reste comme ça? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que je relance mes dés? Je vais avoir deux roches. 1, 2, 3... Alors, la ferme donne, bien sûr, une nourriture de plus. Je pense que... Mais j'ai... Je peux construire juste une fois, mais je vais avoir un bois quand même. Bon, je pense que je vais rester comme ça. Je ne vais pas relancer mes dés. Je ne vais pas relancer mes dés pour l'instant. Donc, on y va à la phase de collecte. Donc, on y va. Donc, je me fais deux pierres. Ensuite, Ici, ça veut dire que vous pouvez prendre soit l'un ou l'autre. Moi, je vais prendre la nourriture. Ça me fait 2 nourritures plus ma ferme. Ça me fait 3 nourritures. 1, 2, 3. Ça, on va le mettre de côté. Ici, il y a un bois. Voilà, donc ça me fait un bois. Ensuite, je dois nourrir ma population. J'ai 4 dés. Ça veut dire que je nourris 4. 1, 2, 3, 4. Alors, tout va bien pour l'instant. Et j'ai un désastre, donc j'augmente ça de 1, et un désastre, ça va peut-être me prendre ça ici. Alors, un désastre, c'est que soit je rajoute un désastre de plus, parce qu'il y a des brigands qui nous attaquent, donc soit je rajoute un désastre de plus sur ma piste, ou je perds une ressource. Alors, je vais choisir de perdre une ressource, je vais perdre... je vais perdre une nourriture. Je ne suis pas sûr que je fais la bonne affaire, mais c'est pas grave. Ensuite, je peux construire. Donc, je peux construire qu'une seule fois, puisque j'ai un seul marteau. Et là, il faut que je pense bien à mon affaire. Je peux juste construire une fois. Qu'est-ce que je pourrais bien construire pour que ça aille de l'allure? Alors, une ferme, ça me coûte un bois, mais est-ce que c'est ça que je veux?
Oh là là. Oh là 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 là. Je veux construire mes murs aussi. Bon, je pense que je vais construire mes murs essentiellement. Alors, je peux construire un mur de la longueur que je veux. Et ce mur-là, si on regarde un mur, un mur, un mur. Comment coûtent les murs? Ah, je l'ai ici. Alors, ça coûte une pierre, en fait. C'est drôle, il l'a pas ici. Enfin, c'est pas grave. Alors, ça me coûte une pierre. Donc, une pierre pour construire un mur. Et ça va être un mur de 4. Voilà, comme ça. Donc, les murs de ma cité se construisent avant même qu'elles soient habitées. C'est vraiment particulier, mais c'est comme ça. Et là, on arrive à la confrontation. Donc, moi, j'affronte de 1. Et lui, il se défend de 4. Donc, essentiellement, je ne peux pas aller chercher de ressources. Lui, il n'a pas d'épée. Il ne peut pas venir me chercher de ressources. Et donc, ça vient de se terminer. On est rendu au deuxième tour. Je lance mes dés. Bon, j'ai encore un autre désastre là. Ça va pas bien. Faudrait que je réussisse à construire un petit peu plus que ça. Le bois, j'en ai en masse pour l'instant. Là, ça me prendrait de la nourriture, sinon je ne serais pas capable de nourrir personne. Donc, ces deux-là, je vais les retirer. Oh, nourriture. Si j'aurais une roche, nourriture, ça me ferait 4 plus 1. Là, je serais capable de nourrir ma population. Je vais retirer celui-là. Ah, un autre désastre. Mais je vais pouvoir construire deux fois quand même. Donc, on y va avec la collecte. Ça donne à rien. Ça me donne un bois. Celui-là me donne un bois. Celui-là me donne trois nourritures plus ma ferme. Ça veut dire quatre nourritures. Un, deux, trois, quatre. Ensuite, je dois nourrir ma population. J'ai 4 dés. J'enlève 4. Je retourne à 1. Ensuite, on fait les désastres. Donc, j'ai deux désastres. Alors, c'est la maladie. J'ai pas de bâtiments qui sont collés les uns les autres. Donc, ça n'a absolument aucun effet. Et je peux construire. Et là, j'ai deux marteaux. Donc, je peux construire deux fois. Et ça devient intéressant. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'augmente un peu ma population. Alors, je vais construire, je crois, une townhouse. Donc, ça me prend deux pierres. Alors là, j'aurai plus de pierres. Mais je vais aller chercher une townhouse que je vais placer à l'intérieur de ma ville. Donc, si ce n'est pas considéré comme des bâtiments, donc elle n'est pas adjacente. Donc, je le mets là. Et ça va me donner un dé bleu supplémentaire qui ne compte pas pour l'instant. Je le mets de côté tout simplement. Ça, c'est ma première construction. Ma deuxième construction. Ça va être une longhouse, je pense. Un, deux. Ouais, ça coûte deux. Je vais rajouter une longhouse. Alors, juste là, comme ça. Diagonale, ce n'est pas adjacent. Super important de bien le dire. Et ça me donne un dé jaune supplémentaire que je ne compte pas pour l'instant. Ensuite, c'est l'affrontement avec Sir Philippe. Alors, Sir Philippe vient de lancer. Oups, c'était un. Donc, il y a deux épées. Donc, c'est moi qui commence. J'y vole soit de la nourriture ou de la pierre. Je choisis d'y voler de la nourriture. Et lui, il me vole deux fois. Il peut rien me prendre ici, rien me prendre là. Donc, il me prend automatiquement deux bois. Et on est rendu au troisième round. Alors, je reprends mes dés. Sir Philippe est là. Et on les lance. Et là, j'ai une plus forte population quand même. Oh!
J'ai une calamité ici. Alors là, je commence à lancer des choses qui sont plutôt intéressantes. Par contre, on va relancer celui-là. Je pense qu'on va laisser ça. Peux-tu laisser ça comme ça? Ouf. Peut-être que là, je nourrirai pas ma population, mais je pense que je vais prendre du désastre. Tant pis, il y en a qui mangeront pas à leur faim. Alors, on y va avec la collecte. Donc, je me fais un de richesse. Trois bois. Un, deux, trois. Bon, ça, c'est pour construire. Je vais me faire deux pierres. Un, deux, trois nourriture. Un, deux, trois nourriture. Et un autre bois. Je dois nourrir ma population. J'ai 6 dés. J'ai 5 là, donc je le mets à 0. Et je me prends un désastre ici. Puisque il y en a un que je suis pas capable de nourrir. Et là, je peux. On y va avec les désastres. C'est des brigands qui m'attaquent. Soit je me prends un désastre supplémentaire ou je perds un de ressources. Je vais perdre un bois. Et là, je peux construire trois fois puisque j'ai trois marteaux. Bon, là, ça devient intéressant parce que j'ai de la richesse, donc je peux aller construire des bâtiments qui peuvent m'apporter un petit peu plus. Comme par exemple, je peux aller construire un monastère. Alors, qui me permet de. Qui permet de setter un dé à l'élément de mon choix. Il y aurait également. Non, l'hôpital, je ne peux pas le faire. Il y a la chapelle. Je peux faire la chapelle. Je peux faire l'église également. L'église me donne un dé blanc, tandis que la chapelle me permet de relancer un dé, même après le troisième jet, même si, et incluant les crânes, donc les désastres qui sont sur les dés. Donc ça peut être intéressant. Alors, on va y aller avec celui qui me coûte le moins, ben, qui va me rapporter le plus. Je vais me construire une église, donc ça me prend une richesse, une pierre et un bois. Et là, on va chercher une église qui ressemble à ceci et que je vais placer, je crois, à l'intérieur de ma ville. Tiens, sur le bord du mur, ici. Alors, ça va me donner un blanc du clergé supplémentaire que je ne compte pas pour l'instant. Je peux construire encore deux fois. Oh, là, ça devient très intéressant. Alors, une gate, ça me coûte un bois et une pierre. Et on va faire une première gate ici. Donc, pour le prolongement de ma forteresse ou des murs de ma ville. Et là, je peux faire une autre chose. Là, il me reste juste du bois, par contre. Je vais aller me chercher une autre ferme, tiens. Et l'autre ferme, je vais la mettre adjacente, celle-là. Ou, peut-être pas. Non, je vais. Gate, c'est-tu? Non, ça, c'est des structures. C'est pas. Ouais, c'est ça, c'est pas un bâtiment, ça. Ouais, je vais le mettre là. Ouais, je vais le mettre là, ma ferme. Voilà. Donc, j'ai fait mes constructions. Oups, j'avais oublié de le déplacer. Et finalement, c'est l'affrontement contre Sir Philippe. Sir Philippe ne m'attaque pas. Il était en défense. Donc, on est rendu au quatrième round. C'est ça, quatrième round, là, je suis en train de me demander. Oh mon Dieu. J'ai fait un, deux, trois, quatre. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le quatrième round. Alors, on est rendu pratiquement là, déjà à la moitié de la partie après 14 minutes seulement de jeu. Donc, quatrième round, je pense que je vais me les écrire sur une feuille parce que je vais les oublier. Un petit crayon ici. Une petite feuille là. Je devrais peut-être pas utiliser ça. Donc, on est rendu au quatrième round. Je lance mes dés. Oh!
OK. Alors, celle-là ici, si je me rappelle bien, me permet. Alors, reroll this die after third roll optionally with another die. Oh. Donc, j'ai celle-là que je peux pas retirer. Celui-là, je vais la retirer. Lui aussi. Donc, on y va. Oh, une autre calamité, ça c'est pas super cool. Puis lui, je peux-tu. Oui, ça peut inclure un skull. Donc je retire sur celle-là. Bon, ok. Alors je vais retirer ces deux dés-là. Oh, je peux en tirer un autre. Alors ça devient intéressant dans ce temps-là. Bon, ok. Alors, on y va avec. Aller chercher nos ressources. Donc ça donne pas de ressources, ça non plus. Alors, j'ai 4 pierres. Puis ici, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6 nourritures. Je dois nourrir ma population. J'ai 7 dés. Donc, il va m'en manquer un. Alors, je mets un désastre supplémentaire. J'ai pas de désastre sur mes dés maintenant. Je peux construire jusqu'à 4 fois. Ça, c'est plutôt intéressant. Alors, je peux construire jusqu'à 4 fois. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Alors, je vais construire une gate. Alors, pour la rivière ici. Ensuite, je vais construire un keep. 1, 2, 3. Qui va aller juste dans mon coin ici. Ce qui me rajoute un dé de noblesse, donc un dé gris que je mets de côté. Puis là, je peux plus rien faire parce que j'ai plus de ressources. Donc, c'est l'attaque, la confrontation avec Sir Philippe. Donc, moi, j'y envole deux, soit de la nourriture ou des roches. Donc, ça va être une roche. Ben, deux roches. Parce que de toute façon, il vient m'envoler deux. Donc, il me reprend mes roches. Donc, ça se finit là. C'est pas plus compliqué. Alors, essentiellement, voilà. Donc, on est rendu au cinquième round. Déjà, la moitié de la partie qui est terminée. Alors, c'est pas un jeu très, 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 très long à jouer. On s'entend. Donc, voilà. Alors, j'ai. Oups. Là, j'ai changé le résultat du dé. Ça, je ne peux pas les retirer. Ces deux-là, ça, c'est intéressant. Ça aussi. On va relancer. Ça, je vais le garder. Ça, je vais le garder. Donc, essentiellement, je vais relancer celle-là avec lui. Je peux relancer celle-là encore. Et là. Ça devient très intéressant. Alors, on va chercher de collecter nos ressources. Donc, ça n'en donne pas, ça n'en donne pas. Ça me donne un de richesse. Ça va faire 6, 7, 8 de nourriture. Ensuite, ça va me faire 2 pierres. Je m'en vais chercher du bois. Non, ça va être 2 pierres. Oui, ça va être 2 pierres. C'est excellent, ça. C'est excellent. Parfait. Donc, je dois nourrir ma population. J'ai 8 dés. J'ai 8, donc je tombe à 0. Alors, j'ai nourri tout le monde. J'ai pas de calamité. Ensuite, on construit. Je peux construire jusqu'à 2 fois. Donc, je vais. Oh, attendez un peu. Y a-t-il quelque chose que je peux faire? OK. Donc, je vais construire 2 fois des murs. Là, je pourrais que je prenne les bonnes décisions, ça. Y en a-tu
as-tu des deux? Des tout petits. Des tout petits. Oui, ça existe des tout petits. Mais je vais prendre un tout petit pour l'instant. Voilà. Donc, essentiellement, ça ressemble à ça. Alors, c'est l'affrontement. Oh, il se défend. Moi, je me défendais. Donc, on se voit le rien chacun d'entre nous. Et on est rendu au sixième round. Je lance mes dés. Là, j'aurai pas grand pierre là-dedans. Si je veux finir mon mur. Ok, là, j'ai pas grand désastre, par exemple. C'est ça qui est très intéressant. C'est ça qui est plutôt intéressant, en fait. Donc, est-ce que je relance des dés? Ah là là. Je vais relancer celui-là. Je vais relancer un comme ça. Oups, ça fait mal par exemple. Il m'en reste un à relancer. Ça voudrait-tu à peine? J'ai deux chances d'avoir. Non, on va laisser ça comme ça finalement. Ok, donc ça donne rien. Ça donne rien. Ici, ça me donne un de richesse. Ensuite, deux bois. Ensuite, deux pierres. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de nourriture. Donc ça, c'était ça. Je dois payé, donc j'ai 8 dés, j'en nourris que 6, donc ça me fait 2 désastres ici. Descendre à désastre, il y en a 2, 1, 2, donc vous pouvez voir, ça peut descendre très rapidement. Est-ce que j'ai des classes de building? Non, ce n'est pas le cas, donc tout va bien pour l'instant. Et on est rendu à la construction, je peux en faire jusqu'à 4 si je veux. Je pense pas me rendre jusque-là. Donc, premièrement, je vais faire un mur. Et là, ma ville est fermée. Puis, qu'est-ce que je pourrais faire qui serait intéressant? Il me reste juste une pierre. Il me reste juste une pierre. Il me reste juste une pierre. Oui, le wharf qui est quand même assez intéressant. Non, je ne suis pas rendu encore à me faire une université. Oh là là. Donc là, j'ai fait un. Je vais faire un de même, je vais me faire une ferme supplémentaire que je vais mettre ici. Ah, puis non, je vais la mettre de l'autre côté, puis elle viendra que pourra. Et là, il me reste deux build steps si je veux. Oh là là, oh là 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 là, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Non, ça je peux pas. Je vais me faire une route. Je vais commencer à faire une route de la grandeur que je veux. Donc, il faudrait que ce soit ici. Que ça rentre ici, effectivement. Donc, on va me faire une petite route devant mes longhouses. Excellent. Puis, il me reste une fois
Il me reste juste une pierre. Qu'est-ce que je pourrais faire avec juste une pierre? Pas grand-chose au final. Avec une pierre. Bon, on peut rien faire au final. Donc, on va en rester là. Donc, c'est l'affrontement avec Sir Philippe. Donc, moi, j'y en prends deux. Lui m'en prend trois. Donc, au final, c'est lui qui m'en prend une. Non, c'est vrai. Je pense que j'ai pas fait la règle correctement. Oh boy! Extort! C'est ça, on s'en va juste prendre une ressource selon c'est lui qui celui qui a le plus d'épées. Finalement, c'est lui qui vient me chercher une ressource. J'ai vraiment mal joué ça. Est-ce que ça aurait changé la partie? C'est ça que je me pose comme question. Ça arrive, on fait des erreurs. Donc, au extort ou à l'affrontement, vous devez comparer le nombre d'épées, c'est vrai. Puis celui qui a le plus d'épées, ça va chercher une ressource à l'autre. Bon, essentiellement, je me suis trompé, mais enfin, c'est pas grave. Je pense que ça n'aurait rien changé, puisque là, je faisais un, deux, 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 deux. Je pense que ça n'aurait rien changé au final. Enfin, c'est pas grave. Donc, on est rendu au septième. Alors, septième ronde. Alors, l'avant-dernier, soit dit en passant. Oh, ok. Ça, c'est intéressant. Ça aussi, c'est intéressant. Ça me donne full pierre, full nourriture, une de connaissances. Je pense que je vais laisser ça de même. Donc, essentiellement, ça me donne 8 de nourriture. Non, 9 de nourriture si je compte mes 3 fermes. Ça va me donner 1 de connaissances. Et ça me donne 4 pierres. 1, 2, 3, 4. Oh, là, ça va être intéressant. Ça va être un round productif. Donc, ça, je viens de faire ça. Je dois les nourrir. Ça me coûte 8 parce que j'ai 8 dés. Oui, c'est ça. Donc, il me reste 1 de nourriture. J'ai pas de calamité. Ensuite, je peux construire 2 fois. Ah, pourquoi j'ai pas mis la tendance à côté de ça tantôt? Je l'ai mis niaiseux. Pas grave. C'est pas grave. Ça arrive. Des fois, on est niaiseux de même. Ok, donc université, trade or fair, university, ça c'est intéressant, l'hôpital aussi, market. Oh, le market, ça c'est intéressant aussi. Oh. C'est peu empty space autour, maximum de 8. Oh, mais ça, j'ai pas assez de connaissances. Il me reste juste un de connaissances. Ah, pas de connaissances, mais de richesse. Donc ça marche pas. Ok, cathédrale. Great Hall, cathédrale. La cathédrale, elle me coûte. Là, je peux pas aller chercher ça, c'est impossible. Trade fair. Force one trade, then gain our into road. Oh, la trade fair, ça c'est intéressant. Mais je peux pas. Fait que là, il faut que je maximise. On s'entend, faut que je maximise le plus possible. Qu'est-ce qui coûte ben, de la roche, de la cathédrale, on s'entend. Ça, je peux pas. Le Guildhall, je peux pas le faire non plus. Non, ça va pas bien, il me manque du bois. Il me manque du bois. J'ai pas de bois. J'ai zéro bois. C'est pas cool. Non, vraiment pas. Alors, je pense que je vais me faire une armory. Ça va me coûter. Armory, ça me coûte 2 pierres. 1, 2. Ah, t'as peu. Ah non, j'ai pas assez de richesse. Non, je peux pas faire ça. Bon, ben, le quarry, je peux pas le faire non plus.
Bon, mais c'est un round free, hein? C'est un round que je peux pas faire grand-chose. Donc, j'affronte Sir Philippe, qui lui, moi, lui, il fait 3 moins 4, ça fait 0. Moi, 1 moins 4, ça fait 0. Donc, on ne s'affronte pas. Et c'est le dernier round. Pas sûr que ça va être super productif, mon affaire. Ok. Seigneur, un par. Ouais. Alors, ça, je vais garder ça. Ça, je vais garder ça. Ça, faut que je garde ça, j'ai pas le choix, faut que je les nourrisse, ça j'ai pas le choix, ça je peux le retirer, puis je vais retirer celui-là. Alors, deuxième, et on va retirer ça comme ça, alors, bien sûr, je vais retirer le maudit, bon, mais, c'est pas mal ça, alors on y va, donc on collecte les ressources. Alors, une richesse, une connaissance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc je suis rendu à 11, donc maximum de 10, 1, 2, 3, 4 bois, je nourris ma population, c'est-à-dire 8, je suis rendu à 2. Les calamités, c'est les brillants. Les brigands. Bon, ça c'est un comme ça. Puis je perds une ressource si je veux. Ça va être de la nourriture. Ils vont venir me voler de la nourriture. Et là, c'est construction. Je peux construire qu'une seule fois. Tata. Ah non. Ah là, là, faut que j'y aille pour le meilleur, du moins pire. Oh, bah boy, c'est mal joué. J'ai mal joué. Là, là. Je peux pas faire le market. Ça, nanana. Oh, que je suis niaiseux. Je suis pas le meilleur à jeu, là. Vraiment, là, je suis vraiment pas le meilleur à jeu, là. Je peux pas faire d'hôpital. Qu'est-ce qui serait le mieux? Je peux pas faire de market. Je peux pas faire de trade fair. J'aurais le armory, mais ça vaut pas la peine. Le guild hall, je peux-tu? Le guild hall, je peux pas. Bon. Hey, je sais bien pas. Ok, là, je réfléchis pas mal, hein, t'sais, mais là, j'essaie de maximiser mes affaires avant la fin de la partie, puis là, je me rends compte que j'ai mal joué. Parce que là, j'ai juste un marteau pour faire quoi que ce soit. Quelque chose, ça coûte 3 bois, ça c'est 3 bois, 2 ça. Monastère, oh je pourrais faire un monastère, ouais c'est ça que je vais faire. Coûte 4 bois, tombe à 0. Coûte 2 pierres,
une richesse. Et là, je m'en vais chercher un monastère, je crois que c'est ça. Oui. Et là, mon monastère, tu sais, on va le faire sur le bord de la rivière, ici. Comme ça. Et voilà. Alors, j'ai pas grand-chose dans ma ville, mais quand même. Donc, c'est l'affrontement avec Sir Philippe et ça va être la fin de la partie. Ça va être le décompte par la suite. Donc, Sir Philippe qui se défend contre mes deux épées. Donc, il se passe à rien. Alors, c'est le décompte final. Alors, pour le décompte final. Alors, tout simplement, je vais écrire la date. On est le 13-03-21. C'est une partie solo, ma troisième. Donc, on y va. Alors, j'ai Keep, j'en ai deux. J'en ai un là, j'en ai un là. Ils sont pas sur le bord d'une route ni d'une rivière. Donc, il n'y a pas de fois deux. Sont-tu walled? Oui. Donc, c'est fois deux. Donc, j'en ai deux. C'est un chaque fois deux. Ça fait quatre en tout. Les Longhouse, j'en ai un, deux, trois, quatre. Sont sur le bord d'une route. OK, ça c'est plus tard qu'on calcule ça. Donc 1, 2, 3, 4, j'ai 4 points parce qu'ils ne sont pas dans la ville. Townhouse, c'est 1. Walled fois 2, donc 2. Church, j'ai une église qui est walled, donc c'est 2. Les fermes, j'en ai 1, 2, 3. Sont les 3 sur la bord d'une rivière, donc 3 fois 2, ça fait 6. Lumber mill, j'en ai pas. Hôpital, j'en ai pas. Monastère, c'est 4 points. Sur le bord d'une rivière et en plus wall, donc c'est x 3. Donc 4 x 3, ça donne 12 points. J'ai pas de market, pas de guild hall, pas d'université, pas de cathédrale, pas de chapelle, pas de quai, pas de joinery, pas de carrière, pas d'armory, pas de trade fair. Ensuite, roll bonus, c'est un par bâtiment qui est sur le bord de la route. Donc, 1, 2, 3, 4 points. Market bonus, j'en ai pas. Guild house, j'en ai pas. Non, non. Alors, culture, c'est un point par connaissance. J'en ai 1, 2 connaissances. Donc, ça me donne 2 points. C'est moi qui ai le plus de culture. Ça vient automatique, à moins que vous ayez fait 0, là. C'est moi qui ai le plus, le largest road network. Donc, à moins que j'aie pas de route, je le gagne. Donc, ici, j'ai le plus de wall area si j'avais pas. Bon, ça, c'est un bonus qui vient automatique, essentiellement. Donc, on fait notre sous-total. Ça fait 4, 8, 10, 12, 18, 30, 34, 36, 41, 48, 58. Ouais, je n'aurais pas battu mon dernier score, mon premier score. Donc, moins 1 par désastre, j'étais à 8. Donc, moins 8, ça me fait 50. Donc, à 50 points, je suis un paysan. Je suis un paysan. Alors, un bon départ, puisque vous avez votre liberté. Et voilà, donc 50 points à cette partie-là. Première partie, j'ai fait 51, deuxième 6, et là, celle que j'ai filmée pour votre bon plaisir est 50 points. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment, mais vraiment pas évident. Je vais essayer de battre mon record, ça c'est sûr et certain, mais c'est ce qu'on verra bien. Alors, j'espère que vous avez apprécié cet épisode de Era Medieval Age, donc l'épisode 1 qui est en fait la partie. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ça serait très, 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 très apprécié. Allez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez sur notre page Facebook et notre Instagram pour vous tenir au courant des dernières nouvelles, ainsi que sur notre Patreon au www.patreon.com/zone-jeu-de-société si vous voulez nous donner, à moi et Martin, un petit coup de pouce. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aller visiter le site web ou le magasin Le Valet de cœur au www.levalet.com, ici à Montréal, au Québec. Super magasin, super ambiance, vous allez vraiment aimer votre expérience. Et bien sûr, amusez-vous avec vos jeux de société. Et on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde!